Dans laquelle je vous montrerai mes nouvelles chaussures, mais aussi mes nouveaux vêtements. Mais vu qu'il y a pas mal de choses, ne serait-ce qu'en vêtements, j'ai préféré scinder la vidéo en deux. Donc j'ai 4 paires à vous montrer qui sont nouvelles, que j'ai même pas encore portées pour tout vous dire. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. La première paire de chaussures, c'est celle-ci. Donc je commence crescendo. En fait, c'est une paire de claquettes classiques. Et en fait, j'ai bien aimé parce que, tout simplement, la couleur est fluo et je trouve que pour l'été, c'est super mignon. Et franchement, je trouve que tout le monde devrait avoir ce type de chaussures dans son placard parce que il n'y a pas de bride, il n'y a rien, ça s'enfile facilement, c'est le truc hyper léger. Bon, alors moi j'adore ce type de pompe. Et y a un gros nœud et puis des petites feuilles comme ça qui sont en métal, donc c'est hyper mignon. Et cette paire de chaussures, je les avais eues en solde, je les avais payées je crois 6€. Bon, je les avais eues chez un chinois, donc ça j'achèterai jamais par exemple chez Chaussea ou dans un autre magasin de chaussures parce que je trouve que ça vaut pas le coup d'acheter ce genre de pompe à 15€. En fait, je mettrai jamais ce prix là. Donc moi je chausse du 39 et même chez le chinois par contre au niveau chaussures ça taille plutôt bien. Et voilà pour la première paire. La deuxième paire est une paire classique et fonctionnelle, donc c'est une paire de compensée mais qu'on peut porter tous les jours pour aller faire ses courses, pour aller faire ce qu'on a à faire à l'extérieur. Donc bien sûr vu les températures qui fait, moi j'ai besoin de mettre mes orteils à l'air. Donc c'est du compensé mais en... c'est pas vraiment du liège, mais en fait j'avais déjà eu la même paire mais en blanche et je les ai tellement usées que la bride s'était détachée ici sur le côté, ça s'était un petit peu arraché. Donc j'ai repris les mêmes, donc celles-ci je les ai eues chez Chaussea, donc elles sont beiges avec des petits strass. Et voilà, c'est pas forcément la paire la plus sexy ou la plus fashion, mais je trouve que c'est le genre de truc où t'es toujours bien, tu mets ça avec n'importe quel vêtement. Voilà, c'est une paire classique du un petit peu compensé, mais vu que le compensé finalement devant est présent, ça fait pas si haut que ça. Et pour moi, on devrait aussi avoir ce type de pompe chez soi parce que, alors elles sont peut-être un petit peu grossières en fait, mais on est tellement bien dedans. Et celles-ci, je les avais eues pour 8 ou 9 euros chez Chaussea. À ce propos, chez Chaussea, parce que il fallait que je vous le dise aussi, quand il y a des soldes, il faut absolument y aller parce que ça vaut. Là, je vais vous montrer une paire sur laquelle j'ai eu un énorme coup de cœur. Donc les voici. Donc ce sont encore une fois des compensés parce que j'adore les compensés de toute façon. Ce sont des compensés de la marque Closer et c'est chez Chaussea une fois de plus. Donc elles sont, en fait, je sais pas si vous verrez exactement la couleur, en tout cas apparemment vous voyez bien mes seins puisque en fait à chaque fois je descends en décolleté, excusez-moi. Je ne sais pas si vous voyez bien la couleur, en fait elles sont taupes mais il y a des tout petits points dorés, donc c'est super joli au soleil. Et le détail qui tue, la petite fleur. Donc ça c'est le genre de chaussure que je trouve super jolie avec une maxi dress par exemple ou avec un jean. C'est toujours élégant, pareil, avec une super pédicure. Moi, je les trouve juste super mignonnes. Et je crois qu'elles étaient à 15€. Non, 12€ exactement. Donc, ça valait pas le coup de s'en passer. En plus, le compensé, vu que devant, il y a un petit compensé aussi, il y a une petite plateforme. Le compensé est finalement pas si haut que ça. Il doit faire 5 ou 6 cm. Elles sont un petit peu lourdes quand même pour des compensés. Mais franchement, elles sont trop belles. Je les adore, je crois que je vais dormir avec. Dernière paire de chaussures et ma préférée, vraiment, celle-ci. Non mais regardez le bijou. Elles sont canonissimes. Alors ok, elles sont hautes, parce qu'honnêtement, elles sont très très hautes même. Mais elles étaient tellement belles que j'étais obligée de les prendre. Donc concrètement, ce sont des compensés que j'ai eu chez le chinois. J'ai vraiment flashé dessus. J'achète plus tellement chez le chinois, mais l'été, si, pas l'hiver, parce que c'est des chaussures renfermées, donc on a tendance à sentir mauvais des pieds. Mais enfin, franchement, je suis sûre qu'il y en a plein d'entre vous qui vont me dire en commentaire, mais elles sont juste magnifiques. En fait, ici, c'est du tissu, un peu en velours, avec des... Enfin, c'est pas vraiment des fleurs, c'est des petits motifs. Et voilà, elles sont juste super élégantes. Je les adore. Voilà, je sais pas quoi dire de plus. Pour l'été, c'est magnifique, ça fait...
Vous savez, vous pouvez mettre quelque chose d'hyper simple ou même un jean brut avec, elle cartonne. Et je les ai vus en fait, je suis rentrée dans le magasin, je fais oh my god. Et j'ai regardé, j'ai espéré de tout mon corps qu'il y ait ma pointure. Et il y avait ma pointure. Et par contre, celle-ci, niveau légèreté, nickel quoi, elles sont hyper légères. Avouez, vous les voulez, hein. Eh bien, vous les aurez pas. Je filmerai ma vidéo qui concerne mes vêtements demain, je pense, à la fraîche, parce que là, c'est pas possible. Je pense que ça sent, on est un petit peu moite. Enfin non, vous sentez rien du tout, heureusement, en même temps, ça sent rien. La moiteur, ça sent rien. Voilà. Je vous avoue que c'est très très rare que j'achète 4 paires comme ça. En règle générale, j'achète ce dont j'ai besoin, clairement. Oui, enfin... Entendons-nous, hein, ce qu'on a besoin en paire de chaussures, c'est de tout, de toutes les couleurs, de toutes les formes, voilà. Je sais pas, il doit y avoir un chromosome, quelque chose qui nous rend addict dès le départ, dès notre jeune âge en tant que femme, parce que les chaussures, moi, c'est un truc, je crois que c'est ce que je préfère acheter de loin. J'ai un gros problème avec ça. Je suis même capable d'acheter des paires de chaussures que je mettrai jamais juste parce que je les veux absolument, parce qu'elles sont magnifiques, entendons-nous. Oui, je vois un culte à la paire de pompes. Et voilà, donc je ne vais pas filmer mes vêtements plus size aujourd'hui parce qu'il fait déjà une trentaine de degrés. Je vous avoue que c'est pas du tout confortable et j'attends qu'une seule chose, c'est de me démaquiller, de m'attacher les cheveux et limite de me foutre à poil sur le canapé quoi, avec une bière. Mais je filmerai je pense demain à la fraîche, ça viendra bientôt sur ma chaîne parce que je sais que ça vous intéresse, n'est-ce pas petite chippie. Je vous embrasse, je vous dis à la prochaine, ciao.